Bonjour. Oh là là, on n'entre pas, c'est mouillé. Qu'est-ce que vous voulez à cette heure-là? Savoir si vous avez une chambre de libre. Ah ben, elles le sont toutes. Pour les chambres, voyez-vous-même, ça m'évite de monter. Et la maison n'aime ni les chèques, ni le plastique, que le liquide. Bon, tiens, débarrassez-moi. Merci. Tout ça, tout reste propre. Je déteste le désordre. Où se trouvent les clés? Ben, sur les portes. Sur les portes? Oui. Ah ben voilà. Alors, c'est une coriace, hein? Ah, au fait, avant que j'oublie, est-ce que vous pourriez me ranger les chaises et les tables qui sont sur la terrasse pour... Mais bien sûr, bien sûr. Vous savez, elle est plus à plat qu'autre chose. On voit bien que c'est pas vous qu'en êtes de 3000 euros. Eh, faut pas que tu mettes le doigt dans l'engrenage avec elle, hein. Sinon c'est mort, elle fera de tout. Mais vous avez réussi à faire marcher la machine à café. J'en voudrais volontiers un, moi aussi. J'essaye de vous aider. Écoutez, n'essayez pas de me sauver, moi et mon établissement, c'est sans espoir. Vous reprenez vos bagages d'Arda, vous me décevez beaucoup. Un type qui voit que du jus d'abricot, c'est louche. Non, ne soyez pas méchant. Ça ne vous va pas du tout. Mais t'es trompé, vous semblez pas comme un gant. J'ai pas tout plaqué pour qu'on me fasse tourner en bourrique comme avant. C'est fini, les chieuses. See you, hein. Oh, vous, ça va, hein. Quand je le dis qu'il y a que des branques dans ce village. Si t'arrêtais de te laisser marcher dessus aussi, hein. Une bonne avoine de temps en temps. Non, ça, je sais pas faire, mais... Mais vous comprenez pas qu'il faut que je parte? Non. J'ai toujours su que vous étiez un gangster.